Allez, suite de la première vidéo, je vous présente le plafond une fois ferraillé et plaqué. Est derrière moi. Voilà. Sur tout le pourtour, maintenant, à ce niveau-là. Partout, partout, là, il va y avoir de la LED. C'est pour ça que j'ai fait un repiquage en électricité, hop, sur la hotte, pour mettre une prise électrique. Et comme ça, avec une simple prise, elle va pouvoir brancher, mettre une LED qui va faire tout le tour, et puis l'actionner avec une télécommande. Voilà, un plafond décor. Là, si on veut... Je lui proposais, mais je peux même refaire un rectangle ou une figure, ce qu'elle veut, dans le milieu et réincorporer soit de la LED, soit des spots en repiquant sur ce existant. Après, j'ai peur que ça fasse charger parce que le plafond est quand même relativement bas. Bah, ça, c'est dû à la marche. Et quand on descend, vu du salon, voilà ce que ça donne. Alors, le décaissé qui se trouve ici, c'est parce qu'on suit la marche au sol. Voilà, moi j'ai suivi la délimitation de la cuisine. C'est pour ça qu'on va un tout petit peu plus loin ici, en haut, par rapport au mur, parce que voilà, j'ai suivi la dalle. Voilà, beau petit plafond de fait. J'espère que la cliente va être contente. Allez, à plus.